Bon, la circonstance, tout le monde connaît son circonstance politique. Parce que depuis 28 novembre, je m'ai arrêté. Parce que moi, j'étais avec ton confrère, Crélé Élisée Isaac. Son emploi à l'immigration m'a arrêté. Et ça qui est indigné maintenant, les antennes Gérald Bata a arrêté. Il y a même commissariat Delma. Et mené Delma. Delma prend, Delma a le DCPJ avec. Vous comptez ça qui est dole, le DCPJ dit qu'il n'y a pas rien pour le reprocher. Et puis DCPJ tourne le commissariat de Delma. Delma vous là. Bon, je dis, je vais dans le correctionnel. Au nom de bon Dieu, après me devini. Le juge a mis le dossier en continuation. C'est ça que je connais. Le juge Jean Wilner Moret, son papa bon cœur. Son monde qui compte ça dit doit mieux. Et m'apten parce que je connais, je ne suis pas dans le groupe gang, je ne suis pas bandit. Et dans le rapport de police. Gérald là avec commissaire de Delma, il dit arrêtez-moi pour délit de flûte. Mais là, arrivé là, on met un paquet de dossiers. Bon, moi, j'étais conscient toujours qu'on est depuis petit ghetto, ou sorti troisième circonscription, tout bon dossier. Sauf que ça m'a dit, je dis, je ne suis pas parti à aucune base. Et m'a prêté soudé comme troisième circonscription, petite cinquième avenue Bolos. Et ça m'a dit pour chaque gagne qui gagne Zamna, mais en la commune Port-au-Prince. Monsieur, on fait la peine, fait tête ensemble pour la population tourner la caillou. Je dis, ma victime en tant que petit ghetto. Et je suis jeune et je me félicite encore une fois tout. Le bâtonnier, Mi Baler, et secrétaire général là. Parce que les autres soit son rapport contre moi, qui sans preuve, son l'ordre de commissaire gouvernement, te voyé, qui s'est gentil souvenir, qui révoqué actuellement là. Mais pour yon te salmoué, mais les autres vins pas une base de données. Je écrit bâtonnier le 17 novembre pour me clarifier notre là, pour me dire au moment donné. J'aime dire ma avocat, je me suis dit, je dis, mais inscrit. Nous-mêmes, nous sommes sur place, nous n'avons pas qu'à souterrain. Et ballon a roulé tout à l'heure. Mais sauf que la police, le commissaire du Port-au-Prince, pour qu'on vienne avec Thierry. Et moi-même, M. Justinel, M. Frenjil, M. Justinel Jean, M. Frenjil, M. Fatal, et nous tous, nous sommes là déjà. Et ballon a roulé, mondial là, ballon. Mais Thierry, tout le monde contre Thierry sont. C'est un monde qui parle dans la radio, il fait mon rire. Bon, je dis que c'est plus comique, mais nous ne connaissons pas comme un bandit, comme un acteur, la police a recherché, comme un monde, la justice a décerné le mandat d'amener complet. Et nous ne reconnaissons pas tout comme une infraction pénale au regard de la loi pénale. Thierry n'est pas ni complice, il n'est pas ni auteur, il n'est pas ni co-auteur. Donc, pour qu'il s'arrête là, son habit, et me dit déjà, son habit. Et immédiatement, le dossier a arrivé dans le parquet. Substitut commissaire gouvernement qui a saisi le dossier, parquet même, de te supposer analyser le dossier, dans l'examen parquet, on te supposé regarder est-ce que il y a une infraction, est-ce que pas une infraction. Automatiquement, pas une infraction, parquet, il y a pour devoir classer le dossier sans suite. C'est ça, nous dit. C'est ça. Le principe, bon principe qui est clair, qui dit que parquet est capable de poursuivre, il est capable de pas poursuivre. Okay? L'obligation de poursuivre ou de ne pas poursuivre. C'est la vérité. Parquet de classer le dossier, il y a sans suite. Donc, vous voyez Thierry dans le tribunal correctionnel, c'est démagogie, pas qu'elle fait. Son démagogie liée, oui. Monsieur, vous n'avez pas avec un bout de couteau. Vous n'avez pas venir avec un objet dans le mail. Vous n'avez pas venir avec absolument rien dans le mail. Vous n'avez pas venir avec ZAM dans le mail. Si vous ne faites pas une menace, vous ne pas attaquer les gens qui vous disent tuer les gens. Pour que ça vous prenne, vous voyez le tribunal correctionnel. Moi, je dis encore son habit qu'elle est. Et je demande tout parquet, il faut que le paquet soit ressaisi. Lorsque vous avez des honnêtes citoyens, vous avez des citoyens paisibles, honnêtes, que la police arrête infraction ça yo que yo reproché yo pas fondé ni en fait ni en droit infraction yo pas gain infraction pas gain qui constant qui établit et déterminé une infraction que ti yo commettre et bien quel que soit moun nan tout que qui pas ta commettre li parce que gain pour devoir classer dossier ça yo sans suite et libérer moun yo et c'est ça tout qui préfère que nous même comme avocat n'a bataille contre la détention préventive prolongée et contre arrestation illégale et arbitraire donc automatiquement la police commet un forfait ou bien que la police arrête tout le monde de mauvaise foi ou bien pas erreur ou bien mauvaise foi donc commissaire gouvernement
en l'occurrence Jacques Lafontaine et ses substituts commissaires gouvernement, ils ont pour devoir libérer Mounio. Et là, ils ont envoyé dans le tribunal correctionnel là encore, sur un abus. Ils sont un abus et nous disent tous son abus. Parce qu'ils ont reproché des associations de malfaiteurs, ils ont reproché de recel, ils ont reproché de vagabondage contre recel, contre association de malfaiteurs. D'ailleurs, on parle des associations de malfaiteurs. Sur infraction et pas principal. Pas principal. Donc, il faut que les gens avec un objet. Il faut que les gens commettent des délictuels criminels. Est-ce que tu commettes des délictuels criminels bien déterminés? Est-ce que tu retrouves que tu es en ensemble un groupe individu malhonnête qui livre pour commettre des faits délictuels criminels bien déterminés? Est-ce que ça? L'action a abus. Donc, non pas nous maintenant combattre ça au niveau des Port-au-Prince. On a combattu tout dans toute la juridiction que la police doit arrêter les gens qui ont fait société à mal. Les gens qui ont fait société à mal, la police qu'on a en pile. Donc c'est les gens pour la police qui mettre mais n'a pas de cas à vie. Si vous n'avez pas de pour devoir qui vous arrêter et pour vous mettre là. Son abus. Alors, est-ce que vous assimilez l'arrestation ça avec un acte politique, non? Ce n'est pas un acte politique. Sauf que si vous avez tout le monde connaît que monsieur sont activistes politiques liés. Peut-être tout. Li konn gen choix pal bon li grand moun li ou la fait choix politique li grand moun li fait choix politique li tout comme trop pile moun grand moun fait choix politique yo sauf que m pa ka souhaiter personne net tout nan choix politique n'y a fait tout pour ne pas faire pays abi parce que gon bon nèg qui fait choix politique yo c'est pays a fait abi yo la gè pays a jouni nan kachouboumbe des politiciens qui baye des jeunes garçons zam yo simaye zam dans tout pays a donc c'est des moun tout qui si ma exam les élections pour gagner élection pour c'est là donc moun sa faut tenir compte de yo c'est pas seulement moun et pas seulement moun et pas moun comme si qui pas gon bout de couteau l'en mel monsieur pas dans association de malfaiteurs li pas dans banditisme OK pour qui ça arrêter là li pas dans groupe banditisme pour ça arrêter là policier a fait mais pas que de pour devoir corriger et puis ça n'a combat tout lorsque yon l'autre nèg tout arrêté pour pas prouver dans tribunal correctionnel. Ou là, ça va faire si vous là. Il va faire n'importe quoi. Il va faire journaliste, il va faire avocat, il va faire médecin, il va faire ingénieur, il va faire n'importe quoi. Donc, il faut que la société aille camper pour combattre contre ça. Et je vais demander à toute société, chaque fois qu'il y a un type de bar, ça va faire, il faut que la société aille caler gel pour empêcher bar, ça va pas fait. Les gars, voilà, qui sont au point de sanction que tu as transmis à la plante Bon, la circonstance, tout le monde connaît son circonstance politique. Parce que depuis 28 novembre, je m'ai arrêté. Parce que j'étais avec ton confrère Créle Élisée Isaac, son emploi à l'immigration, je m'ai arrêté. Et ça qui est indigné maintenant, les antennes Gérald Bata a arrêté. Je mène le commissariat Delma. Et je mène Delma. Delma Pram, Delma a le DCPJ avec. Vous comprenez ça qui est dol, le DCPJ dit qu'il n'y a pas rien pour le reprocher. Et puis DCPJ tourne le commissariat de Delma. Delma voye m la. Bon, jodi a, m bal nan correctionnel. Au nom de bon Dieu, après m devini, juge la te mette dossier en continuation. C'est ça m konnen. Juge Jean Wilner Moure, son papa bon cœur, son moun ki konn sa ve di droit mieux. Et m ap tann parce que m konnen, mwen pa nan groupe gang, mwen pa bandi. Et nan rapport de police, Gérald la avec commissaire de Delma, yo di arrêtez m pou délit de fuite. Mais lèm rive la, met ton paquet de dossier. Bon. Moi j'étais conscient toujours qu'on est depuis petit ghetto ou sorti troisième circonscription à tout bord dossier sauf que c'est ça m'a dit je dis on pas appartient à aucune base et m'a prêté sous des comme nèg troisième circonscription petite cinquième avenue Bolos et c'est ça m'a voyé dit pour chaque grand nèg qui gagne zam nan mais en dans commune Port-au-Prince monsieur on fait la peine fait tête ensemble pour population tourner la caillou je dis à m'a victime en tant que petit ghetto. Et nèg yo konn m son jeune et me féliciter encore une fois tout le bâtonnier Mi Balère et secrétaire général là parce que les ont soit son rapport contre moi qui sans preuve son l'ordre commissaire gouvernement te voyé qui c'est gentil souvenir qui révoqué actuellement là mais pour te sal moi mais les ont vinn ouais pas gain base de données m'étais écrit bâtonnier le 17 novembre pour me clarifier là pour me dire au moment donné
m'a dit j'aime dire ma avocat m'a dit 4 baume de juge dit m'inscrit